papillon, il y est, Florian. Un petit papillon blanc. Papillon. Et là, il y a deux bébés tourterelles. Ça va? Ça va, chef. Bon, dis-leur aussi que tu viens de la 14e constellation. Que la 13e, celle du serpent. C'est celle du diable. L'autre, c'est le constructeur des baleines. Celui qui m'a construit aussi. Tu vois? Que tu viens du 4-1, que c'est la 14e constellation. 441. Qu'il suffit de 2-9 pour faire 3-6. Tout un tas de trucs comme ça. La NDE, tu connais, les expériences de mort imminente, t'en as fait 14. Et quand c'est pas l'heure, ben c'est pas l'heure. Qui t'ont fait le camion à Coluche, t'ont fait le coup du camion. Dernier prophète non reconnu avant moi, on va dire. Ah merde. Tu vois le truc? Ils savent même pas pourquoi ils sont vivants. Pourtant pas compliqué. C'est tout le monde ou personne. Il n'y a pas de riche, il n'y aura pas de pauvre, il n'y aura pas de voleur. Pas compliqué. Si on ne vend pas d'armes, il n'y aura pas de guerre. Il y a du mensonge et de la corruption sur cette planète. Mais c'est les gens du pouvoir. L'évolution du nouvel ordre mondial de fils de pute. Les Schulenbonne là, les Bilderberg là, et même les francs-maçons, c'est pareil. La richesse, le savoir, la connaissance, ça se partage, c'est pour tout le monde. Et il y a du boulot pour tout le monde. On peut faire des écoles partout, on peut mettre des frigos partout. On arrête de jeter les machins périmés. Moi je bouge des trucs des fois et c'est un an après la date. Et alors? On me le reproche. Le pire, c'est la télé. Le pire des poisons. Ça empêche le rêve naturel. Ça empêche les vrais songes. Et ils nous bourrent le crâne de pubs de merde pour vendre leur saloperie. La vie n'a pas de prix. La vie n'est pas à vendre. Ils vendent même la mort. Même rien que l'article du journal pour un acte de décès, s'il y a beaucoup de morts, c'est moins cher, que s'il n'y a pas beaucoup de morts, ils écrivent en plus gros. Tout des trucs comme ça. Souviens-toi que tu n'es que poussière. La vie, c'est un assemblage de molécules. Il faut quand même aimer son constructeur. Il ne s'agit même pas de le craindre. Il faut l'aimer ton bon Dieu, et il faut aimer tout le monde, c'était le 10e commandement ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, bordel. Mais vous faites tout le contraire. C'est un problème quand même. Comment voulez-vous qu'il y ait la paix sur Terre? Comment voulez-vous changer d'air? Il faut se mettre d'accord un peu, faut pas voter pour des trous de cul. Laissons pas les urnes se remplir de merde. Laissons pas les cons faire 20%. Et tant que vous voterez pour de la merde, il y aura toujours de la merde, ça c'est sûr. C'est dimanche qu'on vote, c'est la fête des pères. Et ben moi, vu qu'on est le 8-6, ben pour le 28-6, pour mes 48 000, ben j'aimerais qu'on reparte à l'an zéro. On efface tout, on recommence. On sert de toutes les erreurs du passé, de la barbarie de l'histoire de l'humanité. C'est comme les Indiens, ils avaient des arcs et puis des flèches. Là, tu sens, avec des fusils, ils ont buté tout le monde, ils ont fait les États-Unis. C'est l'enculerie. L'Illuminati, là. Le billet du dollar, là. Hein ?